Ok, ben là je vous présente la Ride Agenda. C'est un twin, d'ailleurs tellement twin que même la déco est carrément réversible. Twin freestyle noyau bois simple avec rocker low rise à l'avant et low rise à l'arrière. Ça permet d'avoir une planche très facile à rider, très maniable. Et c'est les planches qu'on vend en pack avec la fixation LS à 369 euros. Bonjour, c'est Cyril pour la Freeride TV. Donc je viens de tester la Ride Agenda. Donc la Ride Agenda, c'est une planche qu'on retrouve en pack chez Ride, hein, qui est montée normalement avec la LS ou avec la LX. Donc une board très très souple, mais avec du rocker aux extrémités, du plat au centre. Une board qui m'a fait penser un petit peu à la King que j'avais testée l'année dernière. Donc une board très 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 souple, très joueuse. Par contre un peu plus taillée, donc qui était plus précise, plus incisive quand on cherche un peu à accélérer le rythme, quand on veut carver un petit peu. Donc une board qui va vraiment privilégier le côté joueur, une board très sympa en flat, qui va vraiment bien se déformer, mais qui va pouvoir rentrer un petit peu dans les courbes tant qu'on n'appuie pas trop, tant qu'on n'arrive pas trop sur le dur. C'est sûr qu'après sur le dur, on est sur une planche qui est assez souple, donc qui est un petit peu moins accrocheuse. Voilà, la Ride Agenda.